Dans les affaires classées, chaque dossier a son... sauté. Voilà. Et... j'aimerais qu'on ovationne vraiment ces dames qui ont dansé vraiment notre début aussi. Voilà. Attention voilà à ce que tu vas dire. Si tu dis qu'elles ont baissé ton enfance, il y a un problème. Notre début, voilà. Le début étant difficile. Voilà, bon, le début étant toujours difficile, voilà. Encore, merci encore, merci à vous. Mais voilà, aujourd'hui, je vais parler vraiment aussi de l'importance des hommes dans la société. C'est vrai que je suis pour l'égalité, c'est-à-dire du genre, je suis pour la promotion du genre, mais je vais parler de l'importance de l'homme. Franchement, être garçon, c'est la responsabilité, c'est beaucoup de choses, vous voyez. Mais vous voyez, un garçon comme ça, hein, c'est-à-dire, quand il naît, tu vois, son père, il est content d'informer son entourage que, oh, ouais, ma femme, elle a eu un garçon. Le gars, il est fier de dire que c'est un garçon. Vous voyez? Et l'enfant, et quand il grandit, on l'appelle toujours un garçon. Et quand il fait quelque chose de bien dans la société, on dit, oh, lui là, oh, ouais, c'est un garçon. Tu vois? Et quand il grandit, il est toujours un garçon. Voilà. Contrairement aux femmes, voilà, quand elles naissent, on dit, oui, ma femme, elle a eu une fillette. Voilà. Après, elle devient une fille. Après, elle devient une demoiselle. Voilà. Et quand elle se marie, elle devient Madame Digbe. Voilà. Contrairement aux hommes qui gardent leur nom de famille, même quand ils se marient, vous voyez. Et comment on appelle ça? Un garçon, c'est quelqu'un vraiment qui sait s'affirmer. Un garçon, c'est, il ne dit pas au téléphone, tu vois. 30 secondes, le gars, il a déjà fini de gérer un peu. Contrairement aux femmes, c'est les loups bérets au téléphone, ça dure. Et un garçon... De vous, on parle. Voilà, un garçon, quand il va à la plage ou même partout où il est, le gars, il peut enlever son habit et puis ça choque personne. Voilà, tu vois, voilà, ça ferait le bien. Toujours, il enlève son habit, il se met torse nu pour montrer ses tablettes de chocolat à tout le monde. Voilà. Maintenant, mon frère, toi, tu sais que tu n'as pas de tablette de chocolat, que tu as cabosse de cacao. Pardon. C'est très très important. Ouais. Vous voyez? Voilà. Et je suis pas aussi. Et puis un garçon comme ça. Regarde. Même pour monter les escaliers, le gars, il n'est pas obligé d'attraper sa jupe. Tu vois? Le gars, il est déjà là-bas. Vous voyez un peu le truc? Et je ne suis pas aussi d'accord avec les gens qui disent que ouais, la place de la femme, c'est dans la cuisine et tout. Et j'ai dit mais et la douche. Et la douche. Oui, parce que les femmes, elles savent placer tout dans la douche. Shampoing ici, serviette ici, brosse à dents ici. Même quand tu te... Qui a déplacé ça là? Donc, elles maîtrisent aussi vraiment ce secteur-là, tu vois. Et moi, franchement, pour revenir un peu sur un proverbe de mon oncle qui m'a dit, tu sais, mon fils, c'est bien qu'on dise que, ouais, les hommes, ils sont présents dans la société, les hommes, ils sont responsables. Mais mon fils, il faut retenir ça. Aucun homme ne peut venir sur terre vraiment sans une mère. Donc, il faut respecter la femme, il faut respecter la femme. Pas, c'est vrai, on dit tout, mais il faut respecter la femme parce que c'est la femme qui donne la vie. Et puis, les femmes, il ne faut pas chercher à les comprendre, il faut les aimer seulement. Voilà, et il faut donner de l'amour aux femmes, n'est-ce pas? Il faut donner de l'amour. Et pour donner de l'amour à la femme, il faut lui donner de l'argent. Matin, tu lui donnes de l'amour. Mm-hmm. À midi, tu lui donnes de l'amour. Mm-hmm. Le soir, tu lui donnes de l'amour. Mm-hmm. Donnez de l'amour à vos femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour de l'amour et de l'amour. Monsieur, c'était là. Merci pour ce grand amour. Merci pour ce grand amour. Voilà, donner de l'amour aux femmes, c'est important. Très important. Les hommes, je vous dis, vous êtes responsables, c'est vrai. Mais pour confirmer encore cette responsabilité, donnez de l'amour aux femmes. Donnez-les. Matin, l'amour. À midi, l'amour. Le soir, l'amour. Voilà, toujours les dépôts, voilà. Il faut faire tout le temps, c'est important. D'accord. Parce qu'on respecte les femmes.